Okay, bravo. Les filles, même si c'est l'escalier un peu pentu et tout ça, il faut y aller. Hein. Mais not just... Non. You's here? Mm-hmm. You stay here? Yeah. Like this. And... Hop là. And... Boom. Yes, okay. On va le refaire. J'ai regardé par curiosité qu'est-ce qui se faisait pour les gamins au niveau du spectacle. Et c'est vrai que la proposition, elle n'est pas énorme, pas très étendue. Moi, en tant que papa, déjà, c'est le spectacle que j'aimerais leur faire découvrir, même si c'est pas moi qui l'avais monté. C'est un cabaret. Normalement, un cabaret, c'est des tableaux tous différents les uns les autres. Moi, j'ai quand même voulu raconter une histoire. Voilà, à partir du moment où c'est féerique, poétique, ça m'éclate, en fait, de monter ça. Quand même, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'à la base, je l'avais vu dans ma télé, dans la Star Academy. Et là, aujourd'hui, je le vois un peu tous les jours, on se serre la main, on rigole ensemble. Il a fait plein de spectacles que j'ai déjà regardés et que moi-même, quand j'étais petit, ça mettait des étoiles dans les yeux. Je me dis, c'est fou quand même. Comme on participe au pré-show du spectacle du soir, on sait que les enfants ne sont pas forcément admis. Et ici, je pense que c'est une très bonne idée de faire un spectacle familial. En plus, dans ce théâtre mythique. Et ce spectacle va être incroyable. Ouais. C'est frais. Ouais. Il y a une équipe de folie. Ouais. Des costumes géniaux. Oh. Le body est là? J'ai tout ici. Non, il est là. OK. Le costume que porte Bedreddine, le jaune, là, mm-hmm. En fait, les pans, il passe toujours devant. Ben comme ça, quand tu le portes, c'est super, mais dès qu'il commence à bouger, ça vit mal. Ce qui est cool pour eux, là, à l'atelier couture, c'est qu'on passe d'univers, mais tellement, tellement différent. On est dans le côté féerique, un peu fée, puis après les super-héros, après, on fait même, je traverse le lac des Cygnes, donc on va se retrouver avec des robes sublimes, blanches, avec plein de pétales. Vous savez qui je verrais bien sur scène au cabaret? Moi, non. Vous, oui. Vous plus en chanson, j'aurais dit. Ah ouais. Yasmine, je la verrais bien en cabaret. En quoi non donc? Parce bon, que bref, c'est bizarre, là. Ça s'appelle... vous avez l'esprit mal placé. Également. Mon premier cabaret, donc ça s'appelle... C'est au Paradis Latin. Et le Paradis Latin, c'est dans le 5e arrondissement de Paris. Je l'ai dit, il sort idéal pendant les vacances de Noël, mais ça se prolonge jusqu'au mois de juin. Les mercredis, les samedis, les dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires. Ah. Merci beaucoup. On aura bien besoin d'occuper nos petits pendant les vacances. Merci, Benjamin. Oh.